Hey les gamers, les gameuses, bien le bonjour à vous, le bonsoir. Je recommence la vidéo parce qu'il y a plus de soucis. La vidéo, l'écran était noir. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, le logiciel. Il a décidé de m'embêter, donc bref. Du coup, j'ai acheté du coup les deux petits nouveaux trucs qui sont en boutique. Donc on va faire la boutique vite fait parce que du coup, la boutique je l'ai déjà présentée de base, donc on va aller assez vite. Vous avez le retour de la petite hache du dragon, du coup. Ah, je savais Buck. Vous avez aussi le retour du ski Wong Kong à 200 V-Buck. Je fais avec la manette parce que j'avoue c'est beaucoup plus rapide pour montrer les trucs. Attendez, je prends la manette. Ok, la petite manette. Voilà, ça va beaucoup plus vite qu'on fait ça. Ok, ensuite nous avons les skins qui sont sortis hier. Le pilote de la brute à 800 V-Buck. Nous avons la petite pioche du coup. 500 V-Buck, la démanteleuse, excusez-moi. Le skin du coup féminin à 800 V-Buck également. Qui du coup la canonnière de la brute. On est bon là-dessus. Le nouveau truc, le sac à dos que j'ai fini par acheter du coup. Je trouve que c'est plutôt stylé. Voilà, à 400 V-Buck qui va du coup parfaitement bien. Avec du coup le gros truc que vous avez vu au milieu de la map là. Je pense que vous l'avez tous vu. Qui du coup à 400 V-Buck. Il y a également le revêtement que j'ai regardé. Et que je trouve qu'il est stylé, finalement je l'ai pris. Parce que voilà, comme ça je me dis c'est un vêtement plutôt rare. Parce que c'est un vêtement qui peut pas être beaucoup sorti, je ne sais pas. Donc je l'ai acheté, le météore. Ensuite, on a le skin féminin de retour Star du synthé qui est du coup un skin de saison 5 à 1500 V-Buck avec son sac à dos qui est plus sympathique, j'ai envie de dire le sac à dos. Ensuite, on est bon, on a du coup le pour de la jungle de retour boutique pour 800 V-Buck. On est bon là-dessus, on l'a codé par querelle. Nous avons la petite instrustique de retour boutique pour 500 V-Buck. J'avais déjà du coup. Ensuite, la danse tambour majeur de retour en boutique qui est une danse plutôt assez marrante et qu'il avance, on peut avancer pendant la game pendant cette danse là. La cloche de la map, forcément, l'emblème de Fortnite à 800 V-Buck, danse de saison 5 aussi d'ailleurs. Allez, ensuite, nous avons cette petite danse là qui me fait rire. Alors, regardez bien, cette danse là elle fait trop d'action, ou alors c'est un bug. Je sais pas, du coup elle coûte 200 V-Buck et puis elle peut être marrante parce qu'en fait je me suis dit tout à l'heure qu'elle peut avoir un avantage pendant la game, par exemple pour lancer une game et tout, vous allez se taper 6 mètres avec vous et quelqu'un vous tire au snipe, vous pouvez faire pam et hop là il loupe la balle. Ça peut être drôle pour troller les joueurs en vrai, ça peut, regardez, et parfois il peut rater. Donc en fait ça fait 3 emotes, donc je sais pas si ça fait exprès, donc voilà. Donc je vous dis à demain du coup pour la prochaine vidéo de boutique, forcément habituelle. Notez la boutique, mettez un maximum de pouces bleus, c'est très important les pouces bleus, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos des fois, qui commentent mais qui mettent pas les pouces bleus. Ça paraît pas grand chose peut-être pour vous, mais moi les pouces bleus ça montre que les gens aiment bien et puis ça, au moins ça fait monter. En fait plus qu'il y a de pouces bleus sur les vidéos en vrai, plus que la vidéo va être mise en avant et les gens vont voir la vidéo. Voilà ce que je veux dire, si vous mettez pas de pouces bleus par exemple, malheureusement elle va pas être mise en avant et j'aurai pas plus d'abonnés pour faire plus de projets. Il y a plein de choses que je voudrais faire mais sans avoir le nombre d'abonnés que j'ai besoin, parce que ça paraît pas beaucoup, mais j'ai 600 abonnés environ, on va dire environ parce qu'on va pas faire au centimètre près on va dire. Et le truc c'est que les trucs que je veux faire, il faudrait des abonnés ou du moins des viewers, on va appeler ça comme vous voulez, plus actifs sur ma chaîne. Je fais plusieurs jeux différents, j'essaie de varier ma chaîne pour cette raison, mais bon, pas demander un peu aux gens de s'abonner ou autre, s'ils ont pas envie, je vais pas la forcer. C'est juste pour ça, je fais plein de contenus différents de jeux vidéo, bien sûr, toujours à part les jeux. Donc voilà, bref, moi je vous dis à demain. Profitez des dernières vacances pour ceux qui sont encore en vacances pendant un mois. Et puis, bon courage à ceux qui reprendront les cours au mois d'août. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui reprennent au mois d'août, c'est plutôt dur quand beaucoup de vos potes ou vos connaissances, eux, sont encore en vacances. Moi j'ai assez de temps, moment. Bref, à demain, et puis. Rushez bien, moi je vais rusher sur Battle Royale personnellement. Allez, ciao, à demain.